Elles ont massivement répondu à l'appel de cette dame. Aimé Awissou, présidente du groupement des femmes et artisan des marchés sous tutelle de la SOGEMA. Son message à l'endroit de ses consoeurs est clair. Soutenir les réformes économiques et sociales du président Patrice Talon. Les femmes et artisans sont fiers d'avoir à la tête de ce pays ce chef d'État décidé à révéler le Bénin au monde. Il ne s'agit pas d'une affirmation gratuite, mais il s'agit à bien des égards d'une constatation confirmée par de nombreuses preuves de gouvernance axées sur le développement à long terme et à l'actif du président Talon. En ce qui concerne la situation sociopolitique et la tension préélectorale, ces femmes en appellent à l'humanisme pour préserver la paix au Bénin. Elles disent être contre tout acte de violence prôné par une certaine classe politique et exhortent tout le peuple béninois en général et les femmes des marchés sous tutelle de la SOGEMA en particulier, assorties massivement pour accomplir leur devoir civique le 28 avril prochain. Les femmes et artisans des marchés sous tutelle de la SOGEMA profitent de cette occasion pour sacrifier à ce devoir hautement patriotique de se prononcer sur la situation actuelle du pays. Notre position se fonde sur notre aspiration à la paix, sur notre amour pour notre patrie et sur le respect de nos institutions. Nous exhortons toutes les femmes béninoises, du nord au sud, de l'est à l'ouest, où qu'elles soient, de sortir massivement le dimanche 28 avril 2019 pour sacrifier à leur devoir civique qui est de voter. Nous souhaitons que la campagne se déroule dans la convivialité et que le scrutin se passe dans la paix. Les femmes de Datopa soutiennent le chef de l'État dans toutes ses réformes. Le GFAM d'Antokpa, groupement des femmes et artisans des marchés sous tutelle de la Société de gestion des marchés autonomes, est un mouvement qui existe depuis 5 ans. Il se veut défenseur des droits de la femme commerçante et garant de la paix et l'épanouissement des femmes du marché d'Antokpa.